Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter The Last Farmer qui doit sortir prochainement, développé par Geekon et édité par Midnight Games. Alors c'est un jeu d'aventure action avec des zombies, du coup je n'ai pas le prix, il est solo, l'interface et sous-titres sont en français, l'audio est en anglais. Voilà, écoutez, pas plus, pas mal, on va voir le jeu, je pense qu'il va être classique, on aura peut-être une surprise. En tout cas, à tout de suite sur le gameplay. Alors, si je mettais le chrono, ce serait bien déjà. Voilà, merci. Et j'allais dire, on se retrouve sur la page d'accueil du jeu. D'ailleurs, on voit un cochon dans la voiture. Je sais pas ce qu'il fout. Mais c'est marrant, ouais. À voir, par contre, comme je dis, je pense que le jeu va être assez classique. Mais on verra ça sur le gameplay, comme j'ai dit. Et on va le faire en... Ah, les ennemis sont au moins de santé. Ouais, on va faire ça. Êtes-vous sûr de vouloir changer ce niveau? Il ne sera pas possible de changer. Oui. Ah! Petite intro. Ah, je m'attendais pas du tout, par contre. Ah. Cities lie abandoned. Those of us who survive Hey, are now fighting for every breath. J'allais dire, c'est peut-être fait par une IA, ça, non? En tout cas, c'est... Ouais, je sais pas. Under a canopy of gray poison clouds. Après, le jeu, je pense pas qu'ils ont joué, mais... là, pour l'instant, c'est... On va dire qu'ils sont assez stylés, les trucs de chargement, on va dire, pour l'histoire. Ben, le chargement était un petit peu long. Bon, j'ai eu le temps de me moucher comme ça. ah, alors, oh, clavier directement. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui sont directement en AZERTY, c'est assez rare. Je pense qu'il doit y avoir une config spéciale en fait, que ça ne le faisait pas avant. Par contre, sensibilité à la souris, elle a l'air un peu... Ouf. Alors, qu'est-ce que nous avons debout? Une barre de stamina. Bon, on a la nourriture, tout ça, la soif, tout ça, que je déteste dans les jeux, mais bon. Un inventaire assez petit, mais on peut rajouter un sac à dos. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bah, I, ah, bah, tab I, c'est pareil. Échappe, on peut enregistrer le jeu directement. Voilà. Bon, enregistrer le jeu, oui, c'est bon. On peut revenir au menu. Ok, donc du coup, ici on est bloqué. Attendez. Oh, par contre, la souris, elle est dégueulasse. Hein. Je vais voir si je peux pas la régler autrement. Attendez. Moi, oh, ça marche déjà. Ça, c'est quoi ça? Ah non, ça, c'est la lumière que je fais. Oh, c'est la lumière, c'est pas la lumière ça. Ouais. Ah non. Ah non, je l'ai. Ah non, c'est ça alors. J'allais dire c'est la lumière. Non. Ouais, ça a l'air un peu mieux. Attendez. Ah, comment on se scrooge? N'y a pas vraiment de tuto apparemment. On a une carte? On a une carte. Ok, avec des points d'intérêt ici. Alors je dirais que le jeu... Fresh water Ah. is a rare find in these parts. This place is already looking promising. Ok. Par contre, je dirais que le jeu est fait sous Unity. En tout cas, ça a une gueule d'Unity. Je suis pas allé vérifier, il n'y a pas eu le logo qui est apparu. Une patate. Ok. Il n'y a pas de tuto, donc c'est un peu embêtant parce que s'il y a des zombies, je sais pas comment on fait. Ah, on peut casser ça. On doit avoir une. Ah, on doit avoir un établi alors, du coup. Voilà. Par contre. Oh là, par contre, dans le. le DPI. Alors, par contre, dans le menu, c'est dégueu. Ouais, ça va mieux. Même pas. Voilà, ça va un peu. Alors, paramètres. Ah, désolé, je suis un peu parle un peu du nez parce qu'il fait, il recommence à faire froid. Ah, on n'a pas les touches. Y a pas le, y a pas de menu là. B, T, R, C, V, M, N. Bon, mais je sais pas. Parce que si on peut pas crafter, on fait comment? Ah, c'est l'atelier, ça doit être mon point d'intérêt, non?
Est-ce qu'on perd de la vie quand on tape dessus? Non, on perd pas de la vie par contre. Par contre, on perd l'endurance quand on utilise. D'accord. Et ça remonte. Ah, attendez, je vais remoucher un petit coup. Eh oui, le froid est revenu pour l'instant. En plus, là, je vais être en congé. Là, c'est mon premier jour de congé. On est samedi. Par contre, quand je suis en vidéo, c'est mon premier jour de congé. Et l'année dernière, il faisait meilleur. Et il me faisait même trop chaud. Je me plaignais. Et là, je me plains parce qu'il fait froid. Ah, d'accord. Jolie voiture. Par contre, c'est vrai que la sensibilité. Attendez. Paramètres. C'est qu'on peut le faire comme ça, on va le faire comme ça. Non, c'est peut-être baissé plutôt. Je vais monter, mais. Bon, ça a l'air mieux. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, attendez. Ah, recette d'artisanat. Ah, bah, pareil que pas les papiers toilettes. Pourtant, c'est une arrière, ça, normalement, dans le futur. Ah, bah, c'est derrière. Écoutez, pour l'instant, c'est pas. Ouais, ça. Ouais. Ouais, ça reste. Ça a l'air d'être classique, mais ça a pas l'air dégueu. Ah. Ok. Ah, ça y est, j'ai l'artisanat. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans le machin. Et la hache, elle est où? Ah mais il manque de la pierre le machin, d'accord. Ah donc il faut être... on peut pas faire autrement que dans une table d'artisanat, d'accord. Bon pardon, hein, je vais faire un renifler un peu, je suis désolé, c'est pas très beau, mais. Ah je sais plus qui c'est qui m'a dit aussi, j'ai eu un commentaire qui m'a dit oh, tu devrais préparer tes textes. Bah non, je suis désolé, c'est la spontanéité. Après ça plaît pas, ça plaît pas. Honnêtement, ça me fait chier quand on dit ça quand même. Mais je le dis pas. Ouais. Je suis là pour m'amuser, pas pour. Pas pour comment dire ça. Je sais pas comment dire, mais voilà. Vous voyez, j'ai pas préparé mon texte. Du coup, je sais pas quoi dire. Ouais, je fais la spontanéité. Sinon, je découvre un jeu comme ça. Si je veux faire un. Comment on appelle ça? Un jeu préparé, je fais pas. Je parle pas. Comme ça, c'est encore plus rapide. Par contre, on trouve. Ah, les cailloux, c'est là. Du coup, on n'a pas le. On est d'accord qu'on n'a pas le l'artisan son, nous. Hein. Enfin, une hache en. Une... Et là, il faut tout faire, mais on va tout faire. Pourquoi c'est dommage qu'on est obligé de rester là, en fait. Artisanat. Du coup, on met les pommes de terre là. Et on va essayer de se récupérer un peu tout. Alors, fais voir un peu. Ah, c'est pas une hache que j'ai fait là. Ah, j'ai fait l'appel. Il fait l'appel. Ouais, je suis très doué, moi. J'ai fait l'appel. Après, je sais pas, ouais, c'est vrai que comme c'est pour ça que son match j'aime bien, parce que quand on joue un jeu, à la base, quand on commence un jeu, je le dis souvent dans des vidéos, mais le jeu, on le connaît pas, généralement. Du coup, on découvre, on essaie de chercher, on se plante. Après, on va voir sur internet s'il y a des astuces, bien sûr, aussi sur certains jeux. Mais voilà. Après, j'ai pas préparé un texte. Si c'est un truc que je commence juste, quoi. Comment je peux savoir ce que je vais dire? Tu vois, je mets des phrases type. Sinon, ça va faire. Comment dire? Ça va pas être naturel. Après, chacun aime ce qu'il veut, je vois. De toute façon, vu que je vais un peu ralentir les vidéos, ça me fait ni chaud ni froid. Alors, attendez. Comme j'ai dit, j'en continue si je reçois des clés ou que je suis motivé. Alors, comment tu fais là? Il faut un club en bois. On peut casser ça? Ah oui. J'ai pas vu, on a un poids limite ou pas dans
dans l'inventaire. Non, c'est juste. Non, on n'a pas de poids limite, ça c'est bien par contre. Et d'ailleurs, il faudra manger au fait, parce que là, ah bah si, j'ai pommes de terre. Ah, c'est bien parce qu'il y a plein de petits trucs à ramasser. Ah, on a un lac, on peut boire. Oh, c'est quoi? On peut rentrer dedans, vous pensez? Non. On peut pas boire, c'est dommage. On va récupérer du bois. Des bois. Après, j'aime bien aussi les youtubeurs qui font des vidéos préparées, mais bon, voilà, ils ont le temps aussi. Ils jouent au jeu complètement, ils préparent leur texte, ils savent ce qu'ils vont dire. Et moi, j'ai pas le temps de m'amuser à faire à jouer 2 heures à un jeu. Je l'ai fait une ou deux fois sur certains jeux, mais c'est tout, mais c'est très rare. Voilà, ce qui n'aime pas, ben, passez votre chemin, hein, de toute façon. Ça me fait une belle jambe, comme on dit. Je rigole. Bon. Alors, comment on boit? Artisanat. Et qu'est-ce que tu veux? Une hache en pierre. Ah, une pioche en pierre. J'ai la hache, je l'ai fait déjà pour bon compte. Ah, on peut récupérer ça aussi. Quoi, ça se casse vite quand même. Bien. Il faudrait peut-être de la pierre, non? Bon, le jeu n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard quand même, ça a l'air d'être un jeu classique, mais pour l'instant je trouve je trouve sympatoche. Je veux dire après il faudra voir le prix bien sûr. Mais ça va pour l'instant c'est pas compliqué. Il faudra voir la barre faim et soif. Moi je l'ai mis en facile bien sûr. Mais ouais ça va, c'est pas. Après ça ressemble à plein d'autres jeux comme ça. D'ailleurs on m'en donne encore des clés comme ça. Mais je les prends plus les jeux. Là c'est vraiment un truc que j'ai demandé sur leur kit. Mais sinon par mail, des fois je reçois des mails de jeux, mais j'ai plus envie. Quand je vois la tronche des jeux. Ça donne pas envie en fait. Celui-ci c'est parce qu'il était. C'était sur leur kit donc. Sur leur kit, je trouve que c'est un peu plus intéressant à récupérer. Voilà, mais si on me l'aurait donné par mail, je refuserais, c'est rare que j'accepte. Faudrait vraiment que le jeu se démarque. Il y a beaucoup trop de jeux de ce style-là. Là, par contre, c'est ouais, c'est un nouveau développeur et studio qui fait ça. Il en a fait pas mal de jeux. C'est celui qui avait fait aussi Hotel Simulator, Business Simulator, je sais plus trop où il s'appelait là. Voilà, alors ça on va le mettre là, comme ça. Alors, un lit. Ah, on peut fabriquer un... Ah non, un jardinier artisanal. Ah si, lit. Non, c'est quoi qui veut? Ah, c'est un lit. Pourquoi tu peux pas me faire... creuser avec une pelle. Ah, il faut creuser avec une pelle. Non, du coup, c'est 6. Il faut creuser où? Là. Une pierre. De la saleté. Faut faire un lit. Oh, c'est un peu bizarre ça. Il n'y a pas un problème de traduction, vous pensez? Par contre, la traduction doit être faite avec Google Trad. Et il y a comme d'habitude des quacas. Ok. Et où lit? Ah, il est là. Ah non, c'est pas un lit, c'est une jardinière. Ah, il faut en fabriquer deux. Réparer le véhicule. Alors attendez. 5. 6. 5. Hop.
Et on fait... Ah ouais, c'est pas un lit, ça. Ah, attendez. Ouais, ça sert à quoi? Établi portatif. Ah, on peut avoir un établi portatif, en vrai. Établi portatif. Il tombe des objets intérieurs, mais pas seulement. Ouais, non, mais c'est traduit à la... à l'appel. On va dire. moteur, batterie. Tu trouves ça où? Je peux le fabriquer là? Ouais, c'est pas possible. Ouais, c'est bizarre ça. Du coup, c'est où qu'il faut aller là? Il faut trouver ça où? Parce qu'ici, j'ai tout fait ici. Donc, ça m'embêterait de m'éloigner si c'est pas là. Réparer le véhicule. Ouais, je veux bien. Ah, c'est rigolo. Ah là, on n'est pas fatigué. Ouais. Ah oui, il y a le système. Ah, par contre, il y a un système de fatigue. Aujourd'hui, des bandits sont. D'accord. Je vois s'il n'y a pas des indices dans les textes. Ah, il y a un système de fatigue aussi. Il y a un entrepôt avec le logo des arcs Coca-Cola au bout de la route qui a le bon moteur. Ah. Il y a trop de zombies. Super. Par contre, on n'a pas trouvé de bouffe. Alors, je sais pas comment je vais faire pour manger. À part les patates, mais. Building a fence around this place will help keep me safe from wandering zombies. Ah. Ah, on pourra construire une clôture. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est juste pour découvrir, donc. Oui. Oh, je pense qu'il faut que j'aille plutôt par là, parce que là, par là... Attendez. Oh, je dois aller là. Là. Faut mettre un point. Faut pas mettre deux points. Ici. On va dire... attendez. Ouais, c'est peut-être par là, plutôt. Ah non, même pas. Par contre, s'il y a un système d'endurance avec les attaques aussi. Ah non. Oh là, il y a un zombie là. D'où il sort lui? Coucou. C'est quoi ça? Tissu. D'accord, c'est-à-dire qu'on va se faire attaquer par les zombies. Ah, c'est ça, les entrepôts, peut-être, non? Ou c'est une maison? Il y a des zombies partout, quand je vais faire, moi. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Je suis là. Voilà, on prend deux, ça va être chaud, quand même. Putain, c'est chaud. La hitbox, elle a l'air dégueulasse. Ça a pas l'air ouf les hitboxer. Par contre c'est chiant parce que du coup j'ai pas pu ranger mes... J'ai rien rangé. Bon pour ça ils donnent que des tissus donc ça va pas être compliqué. Mais... Ah putain il y en a partout. Petit petit petit. Mais c'est tu avant parce que... Putain mais ils sont partout. C'est tué, sinon ils vont me faire chier. Ouais. Petit, petit, petit. En fait, il faut trouver le bon time, le bon truc. Voilà. Pourquoi il aurait fallu que je range tout ça là? Petit, petit. Comment on fait pour manger déjà? Hop. Ok. Ah, par contre, si tu pouvais reprendre l'arme, ce serait sympa. Petit, petit, petit. Merde, il va me toucher. Bon, les zombies ont pas l'air ouf ouf quand même. Ah, attendez, on peut remanger ça. Bon, c'est nickel, ça m'a redonné de la vie en plus. C'est cool ça. Du coup, moi, ce que je veux aller, c'est... Ah, je suis pas au bon endroit, je pense. Qu'un soldat.
La map a l'air pas dégueu. Oh, y a trop de zombies là par contre. Par contre c'est dommage, il y a l'air d'avoir rien à fouiller ça. J'aime pas ces jours où on peut rien ramasser. Oh, le pneu est là. Attendez. Ah merde, ça marchera pas. On peut jeter. Ouais, bah, ça on s'en fout en fait. Ça on peut les ramasser plusieurs fois, on s'en fout. Ça il me faudrait ça déjà. Ah. Ah, autant. Ah, on peut pas la porter dans l'inventaire. Faut pas tomber sur un zombie là parce que. Ah putain, en plus il repop vite. Hein. Tant qu'il me suit pas, ça. Ah, ça c'est l'autre côté. But. Alors c'est censé se passer au Texas. Bon, j'aurais plutôt dit l'Australie, mais. Après, je connais pas le Texas, vous me direz, mais. Tu vois, c'est pas moyen de faire un coffre. Bon, après, si les zombies viennent. Pas ici. Bon, j'ai rien dit. Putain, l'autre qui veut pas me jeter. J'ai dit si les zombies. J'ai dit si les zombies viennent pas ici. Ah oui, parce qu'il a dit qu'il fallait construire des barricades. Ouais, bon. Faut déjà comprendre le jeu avant de construire des barricades. Voilà. Alors, ok. Ah, on peut mettre des graines de tomates du coup, là. Fais un peu. C'est tout ? Bah, dis donc. Pas moyen de faire un coffre, là. Bandage. Ah, bandage, ce serait pas mal, ça. Un lit. Marteau. Ah, ça, c'est pour réparer la voiture. Ah, on n'a pas de... Ah, si, caisse en bois. Il me faut de la corde. On va faire une corde. Et on va faire une caisse en bois. Et donc, on va mettre ici, là. Oui, je sais pas comment on fait. On peut rotate, ça. Par contre, on peut pas mettre grand-chose. Hein. Alors, on va mettre les pommes de terre. Les pommes de terre. On va boire ça, parce que ça, on va le boire. Ça, on va le garder sur soi. Ça, de l'engrais, on va le mettre là. Ah, l'engrais, peut-être que ça va peut-être être utile, ça, pour... Ça, c'est la saleté, je sais pas ce que ça veut dire. Planche, je peux les mettre comme ça. On va garder le tissu sur soi. Ok. Attendez. Et comment on fait pour construire des barricades? Il y a un système de construction, mais il marque pas. Comment tu peux savoir, moi? Bon, bon, on verra plus tard. Ah, un établi portatif, c'est vrai. Comment on fait pour établir des portatifs? On n'a pas une lame des fois, non? Light, non. Ah oui, mais il faut de la tôle. Et je sais pas dans quoi on le trouve, ça. Bon. Ah, l'engrais, je voulais tester l'engrais, c'est vrai. Ah, c'est là. Ok. Bon, on va continuer à explorer. Ouais, ça va. Bon, ça reste classique pour l'instant. Hein. Après, il faut voir sur le jeu sur le long terme. Voir ce qu'il peut apporter. Par contre, du coup, je sais pas trop où aller, moi. Là, je suis pas allé au bon endroit, en fait. On dirait qu'on peut passer. Est-ce qu'on peut passer par là? J'ai pas l'impression. Par contre, j'aurais dû faire, c'est un autre. Ah, si, peut-être potentiellement on peut passer. Par là. Fais gaffe, pas tomber sur un zombie. Il y en a un là. On a deux même là. Bon, après, si je meurs, je meurs. Et il m'a vu lui d'entrée. Elle m'a vu d'entrée plutôt. Bonjour! Vous êtes fan de ma chaîne? Ah, c'est pour ça que vous êtes devenu un zombie d'ailleurs. Je comprends. Elle doit. Là.
Encore ça va, en facile c'est pas. Attendez. Ah oui. En facile c'est pas quoi. Ouais, ça va. Écoutez, ça a pas l'air dégueu, je trouve. J'aime bien pour l'instant. En tout cas, ça m'emballe quoi. Plus que certains jeux que j'ai testés où il n'y avait pas grand chose. La map a l'air assez grande. Ouais, parce qu'elle s'agrandit au fur et à mesure. Après, j'ai mis facile, donc les zombies ont pas l'air compliquaches. C'est dommage que les loots, je trouve ça un peu vide. Hein. Pomme de terre. Une pomme de terre. Pour faire des pizzas à la pomme de terre. Vous connaissez pas les pizzas à la pomme de terre? Ah, c'est peut-être par là. Attendez. Parce que du coup... Ah, faire ça. Les pizzas à la pomme de terre. Ah, il y a un château d'eau là. Ah, je crois que c'était... Ah, il y a un peu de clipping par contre. Bon, le jeu tourne pas trop... Ah, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il tourne pas trop mal. Petit, petit. J'aimerais bien avoir un arc, par contre, ce serait sympa un arc parce que... Tiens, tu as cru, toi, t'as cru, t'as me toucher. Hein. Une barre de céréales, ça c'est bien. Oui. Ah. Ah, des graines de pommes de terre. Une poule qui picote du pain dur. Petit, petit. Petit, petit, petit. Oula. Ah, je suis bien à la maison que je voulais aller. Là, il y en a un là. Ah, ça. Oh, ils sont trop débiles, ils arrivent, c'est. Ah, la popole. Merci pour le. Ouais, je suis un violent, moi je tape la poule alors que j'aurais pu la ramasser. Ah, elle est bizarre cette maison là. On va essayer tout seul. Mais les zombies là. Petit. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de points d'intérêt par contre, parce que du coup on sait plus où passer. Bah, merci du niveau facile. Franchement, les développeurs. Non, on peut pas faire comme ça. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis un niveau facile, ça évite de se prendre la tête. Par contre, c'est où la maison? C'est là. Oh, il y a plein de trucs ici. Hein. Ouais, ça a l'air vaste. Hein. Par contre, elle est bizarre. Putain, mais il y a combien de zombies là? Mais ils étaient pas. Ils avaient des popés, ils ont pop ça. Voilà. J'ai raté mon coup. Hein. Voilà. Le problème, c'est comment tu fais pour entrer là-dedans? Après, tu peux ressortir ou pas? Parce que j'ai peur de rester bloqué, moi. Elle est sous le sol. Aïe. Comment je vais faire si je reste bloqué? Ah, peut-être là. On peut sauter. Dommage qu'on n'ait pas de larmes, par contre. Ah. Oh, on peut dormir. Bah, attendez, on va dormir. Yes, comme ça, il fait jour. Et en plus de ça, ça casse pas la bouffe, la soif et tout. C'est nickel, ça. Ah, attendez. Ah, marche bien. Eh. Hey. Franchement, pour l'instant, petite mécanique, j'aime bien. Pour moi, en tout cas, c'est pas compliqué pour l'instant. Puis on peut dormir où on veut, ça c'est cool. Ah, c'est vaste la baraque en plus. Bon, les zombies au-dessus, mais je pense pas qu'ils vont venir m'embêter. Puis même s'ils viennent, je vais entendre arriver.
Une caisse en métal. Ah, on trouve des plans pour les crafts, d'accord. En tout cas, outils. Bon, c'est marrant qu'elle soit enfermée, que ce soit sous terre, celle-là. C'est comme s'il y avait eu un trou en terre. La porte est verrouillée. Ah, on peut avoir plusieurs snacks sur soi. On va récupérer l'eau. Moi, j'ai envie de trouver le moteur. Est-ce que ça a fait un point, là? Ah, oui. Ah, mais si, on a l'icône de la maison, je suis bête. Après, il fallait que je fasse un autre club, parce que là, je suis en train de... Il est en train de décider. Ah, non. Ah, je suis plein déjà. Ah, c'est dommage. Ah, pourquoi c'est quoi comme... Bon, ben, mon inventaire est plein. Je vais quand même fouiller là. Si je trouve un truc intéressant, je crois. Bon, pas l'air. Bon, après, normalement, il faut faire ça. 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 Ben voilà. Ah, la poule est revenue. Les zombies aussi. Alors, ma maison est là-bas. On va rentrer à la maison. Par contre, c'est dommage que la... Ah mais je sais pas aller voir. On va aller voir d'autre côté là où j'ai vu le truc bizarre là. Ah, fief qu'il n'y a pas un zombie qui me tombe dessus. Bah écoutez, je trouve vraiment le petit jeu, le jeu pas mal, ça peut être intéressant à faire, à poursuivre sur le long terme. Je franchement honnêtement, je n'en entendais rien. J'ai hésité en plus à prendre la clé parce que je l'avais demandé, mais pff, comme c'est le genre de jeu qui sont souvent très très classiques. Et très ressemblant, je me suis dit, il va avoir aucun intérêt, mais je pense qu'il peut avoir un petit intérêt. Après, peut-être pas pour y jouer des heures et des heures, mais pour le parcourir, pour découvrir un petit peu les choses, ça peut être pas mal. Par contre, il va falloir que je me fasse une... Oui, je finis. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, là, derrière la barricade, s'il n'y a pas un truc intéressant pour là-bas. Ce serait bien d'avoir la voiture, quoi. Au moins pour la tester avant. Parce que je pense pas que je l'aurai avant la fin de la vidéo. Et on pourra pas la tester. Alors vu que je suis en congé, est-ce que je ferai pas une suite si je continue vite fait à essayer de moins trouver la... Faire démarrer la bagnole pour voir la conduite? Je sais pas. Ah, il y a un truc. Ça a poussé là. Alors. Donc je peux pas faire, c'est que je vais ranger un peu des objets parce que je peux pas tout ramasser. On va mettre ceci. Mettre celle-là, ça à mon avis il faut les faire cuire, donc on va mettre ça à la viande parce que tout ça va pas la périmer, donc on s'en fout. Et on va faire ceci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à la boîte de sardines, on va ou je pense que c'est une boîte de sardines, je sais pas, de nourriture quoi, en conserve, ça et ça. Non, pas ça que je vais faire. Bon, après, j'ai pas d'engrais pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce que ça fait une tomate? Bon, on va la manger. Hein, on va voir tester. Ah, c'est comme ça. Ouais, ça a pas rapporté grand-chose, mais bon. Alors, ce qu'il me faut, c'est. Je voulais refaire un club. Ce truc portatif, je peux pas le faire tant que j'ai pas ce qu'il faut. C'est un peu un dommage. Club de bois. Il me faut du bois. Bah oui, ça, je savais qu'il faut du bois, mais. Je suis tout jeté. Ah non, il y a un zombie qui est revenu. Faut faire des barricades. Pour pas qu'il vienne m'embêter. Ah. Ah mais tu m'as fait mal, hein. Oh, m'a feinté. Et pour ça, je sais pas comment faire des barricades. Il en faut 4, hein. Il m'en faut un dernier et c'est boing. Ah! Ah, mais c'est pour du bois. Ah, zut, je pensais que c'était un truc dans la ferme. Ah, c'est bien, ça nous dit ce qu'on peut. Donc, on peut casser les meubles. Oh, c'est cool ça, je savais pas. Attendez, alors, si tu mets la pioche.
Non. Ah, ça, c'est cool, ça. Ah, ben voilà. Et ça nous dit... Ah, c'est cool, ça. C'est ça qui voulait dire, en cassant les objets intérieurs. Oh, on peut casser les... Ah, mais c'est top, ça. Regardez ça. En fait, ça, en fait... Oh, mais c'est bloqué. On dirait que c'est le truc qui est parti tout seul. Ah, mais c'est top, ça. Donc, du coup, je peux peut-être faire le truc rotatif... rotatif. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. On peut faire la clé, si on veut, pour réparer la voiture. Le portatif. D'accord. Oula. C'est qui? Ah! Mais non, mais... Non, mais... Oh, je peux travailler tranquille, là? Ouais, j'ai pas fermé, d'ailleurs. J'ai fermé, d'ailleurs, ça va. Ah non, j'ai pas fermé. C'est dangereux, ce que j'ai fait. Ah non, c'est les toilettes que j'ai pas fermé. Alors, attendez. Du coup, j'en ai tout, moi. Ça, du coup, on fait comment? On le met là? Qu'est-ce qu'on a fait? Le portatif, c'est pas possible. Ah, on peut ramasser à chaque fois. Ouais, mais ça nous fait un truc dans l'inventaire, c'est nul. Ouais, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La clé. Mais c'est pareil, ça va être horrible de faire avoir la clé sur... On n'a pas beaucoup d'inventaire. Un petit sac à dos. Corde et tissu. Et hop, on va faire ça. Hop, hop, hop. Hop, petit sac à dos. On le met là. Et on a plus... On a... Bon, on a deux inventaires en plus. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire ça. Hop. Ah non, même pas. Attendez. Ah si. Faire ça. Et faire ça. Comme ça, là, sur soi. Il y a quel... Et d'ailleurs, ce que je voulais faire, c'était ça aussi, moi. Faire ça. Après, à mon avis, la voiture, c'est pas ça apparaît. La voiture, on pourra sûrement... Ah, le problème, c'est que la voiture, je sais pas comment faire pour l'améliorer. Pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? De l'engrais. Avec de la saleté et du fuse. Donc, ça doit être du caca, je sais pas. Un marteau, si vous pouvez faire un marteau. Ah, on peut récupérer. D'accord. Voilà, bon, c'est pas un lit. Hein. Ils sont trompés. Ok, ah bah écoutez, c'est pas trop mal. Je commence à comprendre le système. Bon, pour l'instant, on va garder tout ça sur soi. Ah, il y a encore un zombie. Il va falloir que je fasse des barricades quand je peux. On va voir ce qu'il y a là-bas. Bon, je sais pas si je le ferai parce que j'ai jamais trop le temps, mais si j'ai le temps, vu que je suis en congé, je ferai peut-être au moins une deuxième vidéo pour montrer la voiture. J'essaierai de trouver les éléments qu'il faut. Par contre, ce qui me dit pas où c'est la... Ah oui, il y a plein de points. Ouais, mais c'est grand, il y a plein de points d'intérêt. Apparemment, il y a des bases militaires. Je vois ce que c'est ça là-bas. Je suis curieux. En plus, on m'emballe parce que c'est pas trop difficile. Pour l'instant, en tout cas. Attendez. Merde. Non! Con, lui. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, la batterie, elle est là. Bon, faut pas oublier, faut jeter avec A, du coup, qui est la touche Q. De base. Donc il me manquera quoi alors? Le moteur. Et le moteur, il faut que j'aille vraiment dans le truc en fait. Parce que le moteur, il a dit vraiment que... la voiture est presque prête, mais il lui manque un moteur. Il y a un entrepôt avec le logo Desert Cola au bout de la route qui a le bon moteur. J'ai déjà essayé d'y aller, mais il y a trop de zombies et de bandits, c'est vraiment dangereux, mais je n'ai pas d'autre choix, je vais devoir essayer. Il va en sortir vivant. Donc du coup, il y aura un moteur au bout de la route, il a dit le monsieur, mais... Au bout de la route, laquelle? Ah, là? Ah, ça peut être que là. Ah oui, c'est une route. Eh bien, écoutez, on va essayer de récupérer le moteur, moi. Ah! Mais où tu sors, toi? Mais je viens de me soigner! Mais c'est pas tranquille, hein. Zombie de t'es mort.
Putain, qu'il y a un truc ici. Je sais pas ce que... Bon, on va essayer d'aller à la route. Bon, quand on arrivera sur à tuer le zombie, bien sûr. Parce que... Allez, hop, on va essayer de faire attention. Ça serait bien d'avoir un truc style bas de clouté, voilà. Bon, alors, à côté de tranquillou. Oui, ça marche. J'ai éteint de mon si le micro allait marcher, j'espère, parce que j'ai pas envie de recommencer. Par contre, il y a du zombie de partout, là. Donc, par contre, il faut revenir avec le moteur et tout. On va essayer de les faire, parce que... C'est dommage, parce que les zombies reviennent trop vite, je trouve. Attendez. Ah, chouette, ça m'intéresse. Bien. Ah, mais on peut faire ramasser direct, ça va plus vite, je pense. Ouais, mais je vais quand même voir ce qu'il y a dedans. Il est là. Petit. Oh, du soir, lui! T'avais pas le droit, toi. Ah non, c'est ramasser le personnage, le zombie. Je vais voir si c'est ici. Ça n'a pas l'air d'être si loin que ça. Comme ça, on testera la voiture. Je vais peut-être jouer de mon côté après, parce que j'ai pas spécial. J'ai pas rushé le jeu, par contre. Ah ouais, j'ai pas enregistré le jeu par contre, on sait jamais. Il y en a là. Il y en a même deux. On va se les faire comme ça, ils éviteront peut-être de m'emmerder. Oh, il y a un camion de... Un camion de transport là. J'ai failli me louper dans la manip. Viens là toi. Encore c'est bien parce que deux coups ça les tue, ça c'est cool. Quoi, ils ont que du tissu par contre. Un peu chiant ça. Bon, comme Kaisa non. Toi ici là. Tu vois un peu tu veux. Petit, venez ici. Des arts de cola, faut que je trouve. Pas ça là, des arts de cola? Si c'est ça, je crois. Merde, j'ai trop pris encore, putain, je me suis trop emballé. Emballé encore. Je suis trop vite dans la... quand je recule. Ah c'est ça. Ah peut-être voir la voiture du coup. Heureusement que j'ai lu quand même. Heureusement que c'est en français parce qu'en anglais j'aurais jamais compris que c'était là. Que je sais pas parler une brin d'anglais. Plus chiant, ça va être de récupérer le moteur et de le ramener après. Ouais, merci. Ok, qu'il y en a un qui m'a vu là, non? Ah non. Ah, ils sont bizarres leurs camions là. Ici, toi. Ben, c'est vrai qu'il a raison, il y avait trop de zombies là. Petit. Heureusement que c'est pas trop compliqué. Oula, c'est un militaire. Ah, il est plus dur à tuer, lui. Zut. Attendez. Ah, faut faire gaffe parce qu'il y a des zombies. Oh. Ah, ça. Il y en a un derrière moi. Douille. Ah, mais il pop trop vite. Petit. Ouais, cochon. Mais arrêtez de me toucher! Oh. Ah putain, en plus je suis. Ah, j'ai plus de.
Vite. Bon, il faut que je trouve le militaire parce qu'il doit peut-être avoir des trucs intéressants, lui. Ah, mais ils ont repas pour regarder ça. Ouais, bon, il a rien, il a que de la merde. Oh, mais c'est chaud, hein. En fait, ils repopent trop vite, les bestioles, là. Même pas le temps de les toucher. Il a raison, il y avait trop de monde. Oh, quoi? Pourquoi tout ce qu'il a, lui? Ça va être chaud parce qu'il y a trop de monde. Mais ils repopent trop vite, les mecs, là. Il faut pas reculer trop loin, en fait. Ça va, c'est bon. On va pas s'énerver. Retournez. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Ne pas tourner dans ce jeu. Faut pas tourner autour des zombies. Il faut aller tout droit. Il faut reculer tout droit. Putain, en plus, ça a rien à bouffer, cette conne. Merde. Alerte. Alerte, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu mon inventaire. Qu'est-ce que ça m'a fait? Oh. Bon, c'est pas grave. Mais là j'ai perdu mon inventaire, comment je fais? Mais merde! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ce con? Ah du coup tout a repop. Mais j'ai pas mon moteur. Ah mais qu'est-ce que sur quoi j'ai appuyé? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, elle m'a jeté l'arme, je sais pourquoi. Cognasse. Mais pourquoi j'ai plus le... Il est là. On va le prendre et on va se barrer. Allez, en cours. Cherche pas à savoir, on passe aux mille zombies, ils ont l'air d'être cons. Par contre, je comprends pas pourquoi tout mon inventaire a disparu, du coup, je vois plus rien. Bon, faut pas se mettre à tuer tout le monde parce qu'ils repopent trop vite en fait. En soi, ils ont l'air d'être cons et de lâcher un peu l'affaire. Le problème, c'est que je vois plus moi. Putain, mais pourquoi tout a disparu? Ah! Ah, je suis dégoûté, il y a tout qui a disparu. Du coup, je sais pas, j'ai appuyé sur une touche, il y a tous les trucs qui ont disparu. J'ai plus d'inventaire, je vois plus l'inventaire, c'est super. Bon, je regarde quand je serai en sécurité, parce que là... Du coup, je vois même plus ma barre d'endurance, je sais même pas comment elle est. Super. J'arrive plus à taper... Putain... Oh. Je sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais... Ah, ça m'embête, ça. Bon, j'avais cliqué sur le A. Le A est pas bien placé, hein, putain. Quand t'es un peu en panique là. Bon, moi dans la voiture, on va la tester. Je pense pas que ce soit un bug, c'est que j'ai appuyé sur une touche qui a fait en sorte que ça disparaisse quoi. Je sais pas sur quoi. Après, si on a plus rien, c'est un peu embêtant quoi. On va voir si on peut dormir aussi. Putain, du coup, je vois même pas si j'ai de la vie, je sais même pas ce que j'ai. On peut dormir ici ou pas? Je m'en peux plus. Ah si, on peut dormir. Du coup, je vois même plus ma faim, ma soif. Super. Ah, attendez. Bon, déjà, on va enregistrer sur notre carte. Oh. Bon, faut pas s'amuser à les taper tous quand même. Et je veux savoir, c'est comment j'ai fait. Comment ça s'est sorti, mon truc, là? En plus, on n'a pas les touches. Comment on peut savoir? Oh, ça fait chier. J'ai plus d'inventaire, rien. Même plus l'inventaire, super. Quoi, j'ai appuyé? Ah ouais, j'ai encore jeté. Ah, j'ai plus rien. Ah, F1, j'ai appuyé. Bon, mais je suis allé jusqu'à F1. Ah oui, d'accord, je suis allé quand même jusqu'à F1 quand même. Bon, on va prendre la voiture, on va la tester et j'arrêterai là. Ah, ça va. Ah, attendez. Ah, du coup, bah, ma barre de vie, elle a bien morflé quoi. Ah, j'ai une... ah oui, c'est vrai que je vais poser tout ça parce que... Non. Ah oui, inspecter. Par contre, niveau tissu, je suis tranquille. Hein. Merde, je me fais...
Voilà, bon. Ah, d'où il sort lui? Non mais t'as cru que... Mais arrêtez de me taper! Pourquoi pousser? Ah, on peut mettre la lumière. Allez, on va voir un peu comment ça se passe. Ah, il n'y a plus d'essence déjà. Ah, super. Ah, on peut aller l'autoradio. Ah oui. Et comment on fait pour l'essence? Bon, on a vu la voiture. On peut pas changer. Je vais pas aller loin, j'ai pas d'essence. Bon, on va ici. Voilà, si on peut écraser les zombies, tiens. On peut. Enfin, j'ai pas beaucoup d'essence, hein. Ouais. Ah bah super, en plus en plein milieu de zombies. Ok, bon, mais il fallait pas quitter tout de suite. Voilà. Bon, écoutez, vous savez ce quoi? On va s'arrêter là, j'ai réussi à voir la voiture. C'est facile, mais pas trop. Voilà, j'ai un peu fait le bourrin parce que je voulais voir s'ils vont me taper au-dessus de la voiture. Par curiosité, tiens. Bah non, tiens. Ah si, ils me tapaient. Ah, vous savez quoi? Je vais me faire tuer, voir un peu ce qui se passe. Allez, par curiosité, on va se faire tuer. Petit, petit, venez me tuer. Ah, on va aller courir. Ah, on va courir et visiter. Écoutez, c'est un bon petit jeu à voir sur le long terme après, mais il faut que je comprenne l'essence aussi, parce que j'ai pas eu le truc de l'essence. Il n'y a pas assez de tuto par contre. Hein. Recherche des zones d'habitants dans les zones suivantes. D'accord, on pourra peut-être avoir des habitants. Par contre, ça dit pas comment avoir l'essence. Il me poursuit souvent. Il me poursuit tous. Ah, attendez, on va aller voir un peu les bandits là-bas. Je suis curieux de savoir. Parce qu'apparemment, les zombies sont assez cons pour qu'on puisse les louper. Ça doit être vers là-bas. Hein. Ouais. Attendez, je suis dans le... Non, je suis pas dans la bonne zone. C'est vers... Là. Là. On va aller voir les bandits. Voir ce que c'est, ces bandits. Attendez, comment ça se passe là? C'est par ici, à peu près. Allez, comme ça, on va voir un petit peu. Enfin, on aura quasiment vu pas mal de choses du jeu. Qui ma foi fort sympathique, ça va. Après j'ai juste eu un petit moment de panique, du coup j'ai fait une bêtise avec l'interface. Je savais bien que c'était pas un bug là, que c'était moi qui appuyé sur le mauvais bouton, mais je suis allé jusqu'à la touche F1. Ah c'est par là. Ah bah c'est par là. Alors est-ce qu'ils vont me tirer dessus d'un truc comme ça? S'ils me tuent c'est pas grave. Bonjour. Ouais, ils me tuent dessus. Bon bah ça ils sont trop cons. Ouais merci. Oh merci en plus. Y'a pas de balles? Ah super merci. J'ai pas donné de balles. Hop. Vous avez vu ça? Bon comme ils ont là un peu teubé, hein, on va en profiter. Hein. Pas des balles? Toi, viens là, toi. Ah zut, t'es tombé. Y'a pas de balles? Oh zut. Texocom. Ah, on peut ouvrir les containers. Aïe. 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 Ils ont l'air de bien. Aide-moi, je veux voir ce que ça fait. Eh ben. Je comprends pourquoi j'ai tant de vous tuer. Vas-y, tire. Allez. Tu vas y arriver. Oui, oui, tu vas y arriver, mon gars. Mais mes zombies n'ont pas pu me tuer. Ravivez. D'accord, c'est tout en fait. Ok. Ah, par contre, on perd tout son inventaire. Ah non, on perd tout ce qu'on a là-bas. Ok. Et est-ce qu'on a un truc de mort? Yes, butin de cadavre. Bon, après, je compte pas me faire tuer. Ah bah vous savez quoi, j'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas aussi. Je suis curieux. Allez. Poussant le vis plus loin, on s'en fout. Après, je vais pas...
Je rechargerai s'il faut, mais... Poussons le vice plus loin. Puisque le jeu est fort sympathique. Et qui me donne envie d'avancer un peu plus loin. Qu'y a-t-il ici? C'est un tunnel. Avec un char d'assaut. J'avoue que si le char d'assaut tu pouvais t'en servir, ce serait cool. Mais bon, on pourra pas, je pense. Des chars d'assaut. Apparemment, ils sont bloqués. Ouais. Ah. Le tunnel a été détruit. Il y a des chars d'assaut. Ok. Voilà. Je vous dis donc à plus sur ma prochaine aventure sur autre jeu très très différent. Si j'en ai l'occasion et l'envie. En tout cas, celui-ci est une bonne découverte. Je suis bien content de l'avoir fait finalement. Et d'avoir accepté la clé. Allez, à plus et au revoir.